Et salut tout le monde, c'est Steam, on se retrouve aujourd'hui sur Palworld, nouvel épisode. Aujourd'hui on va continuer l'optimisation de notre équipe avant d'aller à la tour, peut-être qu'on ira d'ailleurs aujourd'hui. En attendant, je vais pouvoir fabriquer 2-3 trucs sympas. Dans technologie, j'ai gagné des niveaux encore, donc j'ai pu fabriquer 2-3 trucs, dont l'armure en fourrure que je porte actuellement, qui est un peu plus balèze. Et je peux aussi fabriquer 2 trucs qui ont l'air très sympas pour mes pals. Le premier c'est la selle. Oh que c'était long. Et le fusil d'assaut pour Tanzi. Ça, faut que je vois ce que c'est. Ça a l'air totalement fou. Genre, il va avoir son propre fusil d'assaut, quoi. Bien. Regardons tout ça. Donc, il est là. Et en fait, c'est un fusil d'assaut, mais genre, il faut que je le prenne, en fait. C'est toujours la même histoire. C'est une technique. Ah, mais ouais, ok. Ah d'accord, à mon avis. Attends, j'annule. Ouais, faudrait voir des ennemis en fait. Je vais déjà passer en mode jour. J'ai agrandi la cabane aussi. Après, je l'ai agrandi pas pour l'agrandir vraiment, mais surtout pour pouvoir décaler le feu. Parce qu'à chaque fois, je marchais dans le feu et je cramais quoi. Mais c'est cool. En tout cas, il y a un truc qui est très sympa. Je vais réfléchir parce que là, le jeu... quand cette vidéo sortira, le jeu sera sorti normalement. Donc on aura des informations sur les serveurs de 32 joueurs. Si jamais ça vous intéresse que je fasse un serveur, je vais en faire un. Parce que ça a l'air très sympa, il y a beaucoup d'options. Par exemple, là, si je veux, je peux verrouiller la porte. Et en fait, on peut verrouiller plein de trucs dans le jeu. Ça veut dire que si vous êtes sur un serveur avec des gars, vous pouvez verrouiller vos coffres, tout verrouiller. Et ça, c'est vraiment une très bonne idée. Donc, je suis bien tenté de faire un serveur, peut-être même de mettre ma partie sur un serveur. Je vais réfléchir à ça, mais ça pourrait être sympa. Bref, on va y aller. On va aller où? Qu'est-ce que tu fais là, toi? On va regarder la carte vite fait. Il y a toujours ça à faire, qu'on avait croisé précédemment. Niveau 23, ça paraît chaud quand même. Ou sinon, j'essaye de partir un peu plus ici. Ah, oh, je sais pas trop. Faut que j'améliore mes pales, ça c'est sûr. Ou sinon, je vais à la tour. Je vais aller à la tour. Au moins, on saura ce qui nous attend là-bas. Ça pourrait être une bonne idée. Au pire, je meurs, mais c'est pas grave, quoi. J'y retourne, et puis puis voilà. J'aurais juste testé vite fait... toi, là. Ok. Ah, c'est rapide, hein. La vache. Et puis on peut tirer, on peut faire plein de trucs. On peut même attaquer... Oh, ouais, la charge de ouf. Wouah, trop bien. Ouais, ils sont un peu idiots les ennemis, faut avouer. Là. Ouais, c'est pareil, c'est tendu. Ah, pour cent, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Attends, je l'ai bien descendu. Ouais, c'est bon. En fait, on peut utiliser toutes les techniques. Hein. Absolument toutes les techniques sur le pal. C'est cool, c'est cool. Ah, bon, ok, c'est pas grave. Alors, tour du syndicat de Rain. Limite de temps 10 minutes. C'est pas mal 10 minutes, hein. Grisbolt, bah à mon avis, ouais, c'est un type électrique. Bah écoute, parfait, parce que j'ai un type terre là, écoute. Bah s'il veut bien l'attaquer. Ouais, ça a l'air, ça a l'air.
Alors après, le problème, c'est qu'il a l'air très très balèze. Énormément de points de vie. Ah, j'ai l'arc triple aussi. On l'avait vu dans les trucs à construire. En fait, ça tire une flèche. En fait, ça tire trois flèches, mais ça consomme qu'une flèche. Et d'ailleurs, ça aurait été une bonne idée, peut-être. Peut-être. Que je vienne avec ce qu'il faut. Parce que là, j'ai absolument rien, en fait. J'ai pas de flèche. Il va falloir que j'attaque au corps à corps. Après, ça va, on lui enlève pas mal. Ça, c'était pas prévu. Le problème, c'est que mon pal, à un moment, bah, il va crever. Hein. Parce que même s'il prend moins de dégâts, vu que c'est un type terre, en théorie, est-ce qu'il va supporter ça longtemps? Sachant que, comme un boulet, je n'ai pas de flèche. Après, ça va, hein, franchement. Et si jamais on meurt, là, il y a vraiment moyen de retourner. Oula. Ok, c'est bon. Ok, je balance sa mitraillette, là. C'est trop bien. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts, vu le type que c'est et tout, mais... C'est bon. Oh, je suis à deux doigts de mourir pour régler le problème et revenir. Bon, en même temps, ça a l'air de bien se passer. Hein. Ouais. Alors, on lui a enlevé à peu près la moitié de sa vie en ne sachant pas trop ce qu'il fallait faire ici. Donc pour le coup, c'est quand même bonne nouvelle et on va le faire dans cet épisode sans trop de soucis. Seul truc qu'il faudrait qu'on fasse, ce serait déjà de fabriquer des flèches. D'ailleurs, je vais les lancer là. Demandez à mes pales de le faire. Voilà. Allez, au boulot. Moi, je retourne chercher tous mes trucs. Faudrait peut-être que j'améliore un petit peu mon pal de terre. Parce que c'est lui qui va être... Enfin, c'est... On a besoin de lui, quoi. Limite, je me demande s'il faudrait pas en trouver d'autres. Pour avoir que des pales de terre, en fait. Parfait. Parce que, au final, les autres, bah, je les invoque une fois que lui meurt, mais c'est pas super intéressant pour le coup. Parce que ça fait moins de dégâts. Déjà, on va les soigner, on va soigner tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Après, de type terre, j'en ai pas d'autres. Hein. J'en ai un en plus, niveau 8. Je peux me permettre après tout. Hein. On le met là. Et puis, dès que ces deux-là ils sont soignés, on les remet. Ah, il y a celui-là aussi. Ah ouais, celui-là, ça pourrait être sympa. Ah, tu sais quoi, on va faire ça. On va te mettre là. Hop. Toi, tu vas le remplacer au travail. Et on mettra pas Tanzi, mais on mettra Fuddler. Dès qu'il sera opérationnel. Ça pourrait être une bonne idée. Fox Parks et Chile. Chile, à la limite, il est pas mal parce qu'il peut geler l'ennemi, comme on a vu. Donc, très pratique. Fox Parks, pour le coup, je pense que je vais l'enlever. Et je vais en mettre un autre. Je sais pas encore lequel, mais à la limite, le temps que eux se remettent bien, là, je vais avoir le temps de réfléchir. Je peux même faire la selle pour chiller, justement. Oh, trop bien. Comme ça, j'ai plus besoin de prendre celui-là, vu que c'était le seul intérêt réel de l'avoir. Et chiller, en plus, c'est un pal assez rare. Enfin, pas rare, mais c'est un boss, quoi. Donc, c'est un peu plus intéressant, je trouve. Je dois faire la glacière, donc déjà, je vais le débloquer aussi. Ça fait partie des trucs que je dois fabriquer pour le camp. C'est pour ralentir la dégradation des aliments. Parce que c'est vrai que les aliments, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un compte à rebours dessus. Et si ça arrive à zéro, j'imagine que c'est plus mangeable, en fait. Et il y a un autre truc que je dois fabriquer. L'établi pour sphère.
ça, c'est peut-être pas encore débloquable. Ah ouais, c'est niveau 14. Bon, on y est. Hein. Bientôt. Bien. La selle est fabriquée. Alors, fais voir à quoi ça ressemble. Eh, regarde ça. C'est pas grave la classe, là. Youhou! Là, tu vois. Ça, c'est classe. Ouais, ça c'est vraiment cool. Bon, est-ce que vous êtes remis de vos émotions là-dedans? Mais ouais. Ah, tout doucement là. Ils viennent juste de revenir. Alors toi, on a dit non. Mais toi, oui. Bon allez, on y retourne. On est opérationnel. J'ai quelques pales de type terre. On l'avait mis à la moitié. J'avais 3 flèches. Là, normalement, ça devrait le faire. On va passer ça. Ah ouais, si je me trompe de bouton, ça va pas aller. Voilà. Ah, merci, mon bouclier. Il m'a bien aidé là quand même. Parfait. J'ai l'impression qu'on lui enlève moins, non? Bon, peut-être pas. Ah, les tornades, ça fait trop de dégâts. Tornade, c'est incroyable. Je devrais rappeler mon pal quand il lance son attaque chargée. Et là, il est revenu avec moi. Genre là, il est sur moi, donc on s'en fout. Ah ouais, les tornades. C'est parfait. Ok, on est à la moitié là, à peu près. Et on a fait un quart du temps. En théorie, on est pas mal. Alors là, en l'occurrence, sauf erreur, le pal, c'est le même, hein, mais il a pas les tornades. Il faut grave mal. Et de toute façon, là, t'es mort. On va rappeler celui-là. Allez, prends l'aggro, s'il te plaît. Ah oui, non, j'ai tenté un truc, c'était tout pourri. Ok, pas mal. Après, c'est vrai que quand mon pal, là, niveau 13, il va crever, ça va pas être le même combat. Ça, si je peux prendre l'aggro de temps en temps. Ouais. C'est la fin. Alors lui, il va pas faire des dégâts tout le temps, sauf quand il lancera son attaque de terre. Ah, j'ai plus de flèches. Ok, donc on y est là. Ah ouais, là ça craint, parce que je vais devoir faire du corps à corps. Pourtant, j'avais beaucoup de flèches. Hein. Après, il a beaucoup de vie aussi. Bon, on va y arriver ou quoi là? Voilà! Et là on gagne 5 points d'un coup, hein. C'est vraiment bien. Je sais pas où je suis, mais ok.
tout en haut de la tour. Ah ouais, ça m'aide vachement ça, j'en fais quoi? Ok. Non mais qui va faire un voyage rapide ici? Ah bah oui, mais c'est vrai qu'on peut planer avec certains pales. Ou même avec des planeurs d'ailleurs. Donc ouais, ok. On pourrait genre arriver là et planer jusque là-bas. Le problème c'est que là on voit rien, donc je reviendrai quand il fera jour. Mais c'est fait! Bon, c'était pas trop compliqué. Un peu long, mais pas compliqué. Une fois que t'as les bons pales, qu'ils ont un bon niveau, des bonnes techniques, après tu roules dessus, quoi. Après, faut y aller au moins une fois pour savoir quel type tu vas te taper, quoi. On va fabriquer le parachute. On va tester ça, on va retourner à la tour. Et je peux faire l'établi pour se faire, je pense, maintenant. Vu que j'ai gagné un niveau. Le frigo, je l'ai fait hors vidéo. Vous voyez, il est à côté du truc d'alimentation. Ok. Technologie. Ah, je peux fabriquer plein de trucs antiques aussi, maintenant. Vu que j'ai gagné 5 points. Le pistolet grappin. Quoi d'autre? En haut, rien, parce que l'incubateur, je l'avais déjà. Petit sac de nourriture. Libère un emplacement d'équipement pour repas automatique. D'accord. Ah non, je suis toujours pas niveau 14, je pensais. Je suis niveau combien, sérieux? Là, ah, encore 728 d'XP. Bon, bah d'accord. C'est pas grave. On va enlever certains pales. Celui-là, on va l'enlever. On va enlever celui-là aussi. Je vais faire ça à la limite. Ah, plutôt celui-là, niveau 10. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre comme pal? Je vais prendre le pangoulet. C'est un type haut, j'en ai pas d'autres. Alors c'est un type haut qui a pas de technique d'eau, va falloir que j'en trouve. Et toi, on va te mettre là pour bosser un petit peu. Non, pas toi. Qui on pourrait mettre? Allez hop. Bien. Retournons à la tour. Bien, donc une fois que t'es là, qu'est-ce que tu fais? Déjà t'as un bon visu quand même sur tout ce qu'il y a. Là c'est le camp de braconnier. Pour aller en face là. Ou là-bas. Après, là-bas, tu sais que tu peux y aller quoi qu'il arrive en passant là, par la route. Ouais, par là, ça me tente bien quand même. Ouh, ah oui, mais c'est dangereux aussi. Waouh, c'était chaud. Ah oui, d'accord. Oh, trop bien. Capture en capture. Oh, t'es sorti? Ah ouais. On tourne là-dedans. Nickel. Pareil, vous... Oula. Le seul problème, c'est que j'ai pas récupéré de flèches. J'aurais dû en fabriquer un peu. Il y a un œuf là-bas. Un gros œuf mouillé. On a une tour par là qui a l'air assez proche. Une centaine de mètres.
Bizarre la forêt ici. Voilà. Je vais essayer d'en ramasser quelques-unes d'autres de notes de naufragés. Avant de voir ce que ça dit. Mais là, ce qui est étonnant, enfin étonnant, oui et non, le jeu nous dit plus ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on a fait la première tour, etc. On avait l'encart en haut à droite. Mais maintenant, bah, on n'a plus tout ça. Donc, est-ce qu'il faudrait trouver nous-mêmes les tours? C'est possible, hein? Après, écoute, on va regarder vite fait... Non. Les notes. Ouais, tu vois, il parle de différents pales et tout, mais il parle pas de trucs à faire, quoi. En tout cas, pas pour l'instant, peut-être par la suite. Ah, en même temps... Ah non, j'allais dire on voit une tour, mais non, c'est la tour qui est là-bas. Donc il n'y a pas l'air d'en avoir une très très proche, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a un bruit là-haut. Oh, d'accord. Bah ouais, go. Alors me le tue pas, s'il te plaît. Tendu, hein. Ah, c'est bon. Trop bien. Oh. Je le prends aussi, ça fera des bonus. On est à 3 captures de ce type. Et on a le niveau 14. Trop bien, je vais pouvoir faire la table. Ah, écoute, je vais essayer de retrouver un... Oh, ça fait mal aux yeux, là, dans la forêt. Est-ce que je pourrais trouver une autre tour de téléportation? Ça n'a pas l'air, bizarrement. On va ramasser ça aussi. Est-ce que ça vaut le coup d'aller tester là-bas? Bon, oh oui, on va y aller, écoute. On a la monture, on a tout ce qu'il faut. Faudra que je mange à un moment. La barre, elle commence à être assez basse. C'est bizarre que les pales soient si bas niveau. Je trouve ça assez étonnant. Ça m'a l'air sympa là-bas. Je vais manger vite fait si j'ai ce qu'il faut, ouais, carrément. Oh, il y a des niveaux 20 au-dessus. Oh, ok, il y a carrément un...
Un gros gros quoi. Avec des braconniers. Ah non, c'est la Ligue pour la protection des palmes. Mais pourquoi vous l'attaquez alors? C'est bizarre vous. Là, on a des pales haut niveau là. Donc c'est sympa. Alors on va pas se le faire lui parce que niveau 30 ça me paraît compliqué et surtout on en a un autre qu'on pourrait faire à la limite en attendant, c'est un qui est là, qui est niveau 23 de mémoire, si j'arrive, voilà, niveau 23. Donc là on est peut-être allé un poil, peut-être trop loin. Après c'était niveau 16, ça va, hein, ça reste correct. Je voudrais juste trouver une tour de... pour se téléporter. On va retourner... On va retourner au camp. Ah, là-bas, à mon avis... Ça m'a l'air d'être une tour, justement. Tout là-bas. On a une tour de dresseur. Il y a l'air d'en avoir une là-bas aussi d'ailleurs. Ouah, des niveaux 20, ça commence à être chaud là. Mais en tout cas, c'est le bon endroit, je pense. La Ligue pour la protection des pales qui attaque des pales, c'est bizarre ce truc quand même. Oh, c'est le chaos en plus, laisse tomber. Ah, niveau 28, je vais pas faire grand chose, ouais voilà. Reviens là. Donc on a dit, on fabrique ce qu'on a débloqué. L'établi pour sphère. On va débloquer les méga sphères aussi. Qu'on va fabriquer. Là, ça m'a l'air pas mal en vrai ici. Mais trop proche d'une autre installation. Ça, c'est bizarre quand même parce que. Genre là, je peux pas quoi. Comme ça, écoute. Alors mon gros lambal, vous l'avez pas vu, je l'ai capturé hors vidéo, il était à côté du camp. Donc c'est l'équivalent shiny en gros quoi. Donc maintenant je peux fabriquer des méga sphères. Bah écoute, on va en fabriquer deux. Alors je peux faire la capsule d'enrichissement pour pales. Permet de synthétiser plusieurs pales du même type pour renforcer celui dont le rang a augmenté. Celui dont le rang a augmenté, ça veut dire quoi ça? Je pense que c'est mal traduit. Mon avis c'est pour dire que celui qui est le plus fort, il absorbe les autres, ça doit être ça. Et ça peut être sympa. Et ça vaudrait le coup, du coup, vu qu'on capture plusieurs pales identiques. On va le débloquer. J'ai pas de quoi le fabriquer encore. Mais ça va, c'est pas trop compliqué à trouver. Il nous faut ça. Hop. C'est un goût de métal, je peux pas en faire. Il faudrait que j'aille farmer un petit peu. Ah oui, du coup, je peux améliorer la boîte à pales. C'est vrai que j'ai zappé de faire ça. Voilà, marmite, plantation de blé et le broyeur. Plantation de blé sera niveau 15. Le broyeur aussi. Il y avait quoi, marmite? Ah ouais, marmite niveau 17. Ok, on fera ça au fur et à mesure du coup.
Ah, j'avais pas vu, il faut aussi une pièce d'une ancienne civilisation. Moi, je pensais que c'était que des trucs qu'il fallait vendre, alors pas du tout. Je pensais que c'était des trucs pour les marchands. Parce que c'est ce que ça sous-entend plus ou moins quand on se met dessus. Sa valeur inestimable le rend très convoité par tout humain qui se respecte. Moi, j'avais compris que ça se vendait, quoi. Les marchands les achètent à prix élevé, par exemple pour les poils précieux. Bah, du coup, je vais peut-être pas les vendre. On va éviter. Souvent dans les jeux, quand ils te disent des trucs comme ça, c'est pour te dire, bah vas-y, vends-le en fait, ça sert à rien. Donc ouais, heureusement que je les ai gardés quand même. Ah, il y a l'œuf là, j'avais oublié. Bon, on va s'arrêter là de toute façon. Je vais m'occuper un peu de mon camp, gérer tout le métal à fabriquer, etc. Et puis on verra ce qu'on fait après. En tout cas, on a fait la tour, la première. Maintenant, il suffira de trouver les autres. On pourra aussi peut-être faire ça, niveau 23, c'est peut-être faisable en vrai. En fait, le truc, c'est que l'ennemi qu'on a fait à la tour, on n'a aucune idée de quel niveau c'était en fait. Parce que c'était clairement pas niveau 10 ou niveau 15, quoi, ça devait être beaucoup plus. Donc peut-être qu'on peut faire celui-là, au prochain épisode. Et peut-être continuer du coup par ici, vu qu'on n'a pas fait grand-chose, je crois, par là. C'était des îles déjà connues, comme celle-là d'ailleurs. On verra, mais je pense qu'il y a moyen de faire ça peut-être. Merci à vous en tout cas. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.